genre internet, j'espère que vous allez bien. Se retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en fond sur notre serveur favori du moment, HC Team Hérésie les amis. Et aujourd'hui les amis, je décide de vous présenter notre deuxième base. Et bien oui, la première vidéo, la première base que vous avez énormément aimé, il y a eu max de pouces bleus. Je m'attendais vraiment pas à ce qu'il y ait autant de pouces bleus en si peu de temps. Après une heure, la vidéo est sortie à une heure alors que moi je fais cette vidéo là. Et la vidéo elle a déjà 580 vues et elle a aussi presque 80 pouces bleus. C'est juste énorme les gars. Sachant que... Non, 50 pouces bleus, what the fuck, qu'est-ce que je fais le 80? Et qu'est-ce que je veux dire, c'est que il y a du club devant chez toi. Non. Pourquoi il me demande ça? En gros, c'est juste vraiment énorme, les amis. So, je vais quand même vous expliquer un peu qu'est-ce qui s'est passé avec l'ancienne base. Et puis, je vais vous présenter la nouvelle base. Donc, pas mal de mes copains sont décédés. Encore là, ils sont décédés. Le power vient juste de recommencer à remonter, le DTR. C'est pour ça que je suis en ligne. Et je me suis dit... ok, tata aide, je salue. Non. What the fuck, le gars va me tuer, je pense. En tout cas, mais il faut vite que je vous présente l'extérieur avant qu'il arrive en fait. Donc, en gros, si vous avez des dons les amis, vous faites F-Show Icons et vous venez à notre F-Home qui est ici. On est vraiment loin du spawn pour justement éviter le plus possible le focus. Parce que ce qui est arrivé avec notre ancienne base, c'est qu'on s'est fait focus de ouf. On était vraiment à genre 400 blocs du spawn. Il y avait tout le temps des gens devant notre base et quand on sortait créer des traps ou quoi que ce soit, on se faisait tout le temps tuer. Et puis on est devenu raidable en genre une heure, tu sais, genre après j'ai fait la vidéo, une heure après la base était déjà finie. Ensuite on avait refait une autre base juste là. Mais finalement, ouais, voilà, on a décidé de pas l'utiliser. On fait juste garder ça comme faire un fake de trap. So, genre, on fait genre qu'on monte là, puis boum, on s'en va s'échapper par là-bas, en gros. Donc voilà. Ensuite, on a ici une trappe. Donc voilà, normal, juste pour s'évader. Ici, on a le truc à poulet, donc pour les poulets. Ici, on va faire une autre trappe. Mais on aura aussi une autre trappe, si je m'abuse. Ça va être de ce côté ici. Ici, à peu près. Ça va être une trappe, genre... ça va être genre une trappe à la Painful PvP, genre tu sais, où ce que vous allez pouvoir venir et puis on va pouvoir prendre votre tête et puis la collectionner dans notre base. J'ai déjà tué pas mal de gens, donc probablement, bon, vous avez compris que ça ici c'était l'entrée. Ensuite, on a décidé de faire un système comme ça avec des portes et tout. Donc j'ai tué Kebab Kill et j'ai tué aussi Culot. J'ai tué Kebab Kill quand il est venu à la base et j'ai tué Kilo quand il est venu aussi à la base. Donc ça c'était des coups de pute, j'ai pas vraiment fait de kill encore, donc voilà. Et ouais, j'en ai si tu veux. Ça c'est un gars dans notre faction qui tricolore qui joue avec nous, mais c'est un abonné en fait. Je vais vous expliquer qu'est-ce qui est arrivé. C'est un abonné, il m'a donné du bois. Il a dit est-ce que vous recrutez, puis il m'a vraiment donné une ligne de bois de comme ça pour faire ma base. Et j'ai dit ouais, crime, t'sais, je vais le recruter. Je l'ai recruté, puis finalement le gars il a fly hack, je crois, devant les modos, puis il s'est fait bannir. Donc finalement il est ban. Puis il fait ce qu'il il est ban pour X-ray. Donc voilà, on a deux gars en moins là. Faction. Ça fait un peu chier, mais bon, c'est pas grave, je veux dire, c'est pas mon problème. Si eux, ils cheatent, ils veulent assumer de cheater, bon, c'est leur problème. Donc, merci aux gens qui sont venus nous donner les trucs. Donc, après ça, c'est les têtes qu'on avait eues, je sais plus qui les avait tués, mais voilà. Ensuite, on ferme les portillons. On peut aller en haut, en fait. On a deux étages, une ici pour voir ici, puis l'autre chose, même chose en haut. En haut, je sais pas qui l'a fait, moi, j'avais juste fait les deux, ils viennent juste de le rajouter, j'imagine, il y a pas très très longtemps. Ensuite, on saute en bas ici, et là, on a les coffres dans le mur ici. Donc on a les coffres à minerais, armure, on n'a pas vraiment d'armure, on a juste un peu d'épée. Au niveau des minerais, on a un peu de diamant et tout. Table d'enchant, tous les trucs après, les blocs, l'agriculture, etc. On a quand même pas mal de blazehold. J'en ai vraiment énormément. Donc j'en ai 20 sur moi, on en veut vraiment beaucoup. Machine, canne à sucre, virus, mais ça c'est juste des petits champs vite fait. C'est juste quand des abonnés viennent et en ont besoin, ben on leur en donne. Même chose pour les melons. Sinon ici on a l'accès à la mine. L'autre truc en haut c'était l'accès à la mine direct, comme avant. On a les enclumes ici. Les autres champs sont en bas. C'est justement ce que je vais aller vous montrer justement maintenant. Donc, hop là, on vient ici. Et là, on a un anti-FK. Et on a aussi une machine ici. On aura une autre machine là. Et je crois que c'est de ce côté-là ou de ce côté-là. On va enlever les coffres et on va faire deux autres machines. Donc, on aura deux machines à heal, une machine à speed. Ouais, si c'est possible, j'ai les collections. Ouais, je les collecte. Ouais, t'inquiète. Mais moi, je vais essayer, comme j'ai dit, si vous voulez, on va collectionner les bases. Genre, je sais pas où en bas ici, mais on pourrait faire une collection de tous les abonnés qui sont venus. Je pense que ça peut être assez stylé, sachant qu'on est quand même assez loin du spawn. C'est pas n'importe qui va venir. Donc, voilà, les virus ici et les cannes à sucre de ce côté-là. La machine à heal qui est en marche, je crois. Ou peut-être pas, je pense pas que. Je sais pas, je suis pas sûr. Ouais, non, elle est pas en marche. On n'a pas encore rajouté les ingrédients. Les bouteilles d'eau, excuse-moi. Donc ensuite des coffres ici qui sert à rien, la mine qui est là. Donc je peux aller à la mine si vous voulez vous montrer vite fait, mais bon, rien d'intéressant vraiment, c'est une mine quoi. C'est un archer, je pensais que je me faisais tirer dessus, j'étais genre what the fuck. What the fuck, ok. Ouais, allez, salut toi. Donc voilà, c'est ça qui est ça. Après,
Comme j'ai dit, je vais essayer de jouer Bard vite fait, mais je vais me faire méga focus comme Overdays, puis plein d'abos m'ont dit que j'allais me faire focus. Je le sais, c'est pas ça le but, le problème c'est que, ouais, c'est ça le problème, je vais me faire focus un peu, mais bon. Je m'en fous, ça fait partie du jeu si je meurs, etc. Je suis grade YouTuber maintenant, j'ai donné mon grade Xyla, j'ai donné mon grade légende que j'avais payé 25€. Donc voilà, au calme. Il s'est fait un grade gratos. Je vais juste mettre ça là, parce que ça c'était des dons d'abonnés, je crois. Donc je vais juste mettre ça là, puis je les classerai plus tard. Parce que là, pour l'instant, je vais aller dehors. J'ai juste un tout petit truc à vous montrer encore. Donc, je sais pas si je l'avais montré, mais c'était la trappe ici, en gros. Quand vous venez, boum, ça ferme comme ça. Bon, c'est quand même quelque chose de classique, tout le monde connaît. Donc, c'est pas nouveau, je pense pas. Je vais aller au F1. Là, vous faites F1, vous arrêtez. Vous attendez une minute avant de plus être en combat, puis voilà. Il y avait un use bug avec la porte, je crois, c'était la version 1, les gens pouvaient passer dans les portes, etc. Mais là, c'était réglé. Donc, je vous conseille de mettre des double partitions, comme genre 1-1, comme ça, et pas juste un. Mais normalement, use bug, il balban 31 jours, je pense, je suis pas sûr. Donc voilà, c'est ça qui est ça pour notre base, amis. Comme j'ai dit, on a un petit trou là-bas, je vais vous le montrer vite fait. Au pire, c'est vous quoi. Je vais aller vous montrer ça. Ben, j'ai pas vraiment besoin de vous le montrer, là. Je pense que vous savez à peu près. Voilà. Ici, c'est quoi? C'est un trou. Voilà, c'est juste un trou. Puis, ben, c'est pour s'échapper. Exemple, on se fait chase et tout. Boum, on s'échappe. Voilà. Et puis voilà. C'est pas mal tout, les copains. C'est pas mal tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc, voilà. J'espère que la vidéo vous a fait plaisir. Oh oui, les amis, j'avais autre chose à vous dire. Je voulais savoir qu'est-ce que vous aimeriez que je fasse sur le serveur, en fait. Est-ce que vous aimeriez ça voir du PvP? Est-ce que vous aimeriez avoir ça quand on tue des gars ou qu'on trappe des gars? Qu'est-ce que vous voulez vraiment voir? Parce que, comme vous pouvez voir, on a pas mal de trappes. On a aussi une autre idée de trappe. Et deux autres idées de trappe. Comme je l'ai dit, là, envoie ton TS par Skype, s'il te plaît. What the fuck? Il est bizarre, lui. J'envoie pas mon TS comme ça, les gars. C'est un TS privé. Je le donne seulement aux gens de la fac. Mais voilà. En gros, on va faire un autre trappe aussi ici. Une trappe en arrière, comme j'ai dit, celle à la painful PvP où ce que les gens ils vont pour se faire tuer. Donc si vous voulez votre tête, les amis, dans notre base, c'est soit si vous l'avez déjà, vous venez ici, vous la droppez là. Sinon, vous venez nos stuff et vous dites juste, oh, on veut avoir notre tête dans la base. Puis on va faire un genre de salle juste de collection de têtes. On va mettre aussi le panneau avec l'heure où ce que tu t'es fait tuer. Parce que quand tu tues quelqu'un, ça donne un panneau. Je vais juste vous montrer vite fait. Donc voilà, ça peut être assez cool. Là, cette fois-ci, on va pas devenir raidable, enfin, j'espère pas. Là, il va juste falloir que je kick les deux cheaters. Donc, lui qui était ban pour cheat il y a 3 heures, et Fastkill qui était ban pour cheat il y a 1 heure. Donc, il faudra que ta gueule, rage. Donc voilà. So, en gros, ça donne un panneau comme ça. Dead sign. Le icon du tué culot. Voilà. Puis là, quand vous le posez, boum, ça fait un genre de petit truc, puis ça vous met ça. Icon du tué, blablabla, etc. Loliol. Donc voilà, le gars je vais vous expliquer en gros, il est énervé parce que l'autre fois en clip on l'a 2v1 avec Xylos, il a pas kiffé. Après il a dit 1v1 et on n'est pas été en 1v1 sur Queen parce que voilà. Il est. Oh, il n'y a pas de bois ici. Parce qu'il est EU et nous on était aînés, ça servait à rien. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire les amis. J'espère sincèrement que vous allez continuer à apprécier la dernière vidéo les gars là, vous avez pas idée. Dans une heure après la vidéo là, il y avait genre. Là il doit avoir environ 600-700 vues. C'est juste un truc de fou. Sachant que ma chaîne est en train de mourir et je fais beaucoup moins de vues qu'avant. Ça me dérange pas tellement les vues, je vais vous dire franchement. Les vues pour moi, c'est pas super important. Bon, c'est sûr que ça fait plus de YouTube money à la fin du mois. Mais en vrai, ça dérange pas du tout. Je veux dire, l'important c'est que moi je m'amuse puis je m'occupe l'esprit sur Minecraft parce que bon, j'avais des trucs dans ma vie qui allaient pas super bien dernièrement et puis c'est ça, j'ai commencé à jouer Minecraft un peu comme avant, etc. Puis pas que ça m'a redonné le plaisir de jouer à Minecraft, mais enfin, tu sais, c'est cool, tu sais, je m'amuse puis c'est vraiment ça qui est important, c'est que je m'occupe l'esprit puis que je profite. Je profite du temps que j'ai à jouer à Minecraft. Ça lag un peu le serveur, je trouve. Le temps que j'ai de libre à jouer à Minecraft, puis à CS, puis voilà. Le but, c'est de s'amuser. Puis si ma chaîne YouTube fait pas bien, ben elle fait pas bien, les amis. Puis j'y peux rien, je veux dire. Moi, c'est pas moi qui vous a dit de vous abonner. Je vous ai dit un peu quand même de vous abonner. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas moi qui vous a forcé à vous abonner. Puis s'il y a beaucoup de gens qui sont partis, c'est que j'ai fait des choses de pas correct, qui ont pas aimé les contenus de mes vidéos. Et puis c'est pas de ma faute. Enfin, si
c'est de ma faute parce que j'ai pas fait des contenus pour leur plaire, mais j'ai toujours dit, les amis, que moi j'allais faire le contenu que moi il me plaisait en premier, en avant tout, parce que c'est ce qui me fait le plus plaisir, c'est de me faire m'amuser sur Minecraft. Voilà. So, je vais aller poser les dalles, les amis, puis je pense qu'on va s'essayer ici. J'aimerais ça qu'on atteigne le somme des 80 likes pour cet épisode. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dans le dernier épisode, vous avez fait 50 likes en une heure. Je sais pas combien il va y avoir au total, les amis, mais ouais, en une heure, vous aviez quand même déjà 50 likes. So, ça fait vraiment extrêmement plaisir. So, j'espère, les amis, que vous allez être présents pour cet épisode-ci. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. C'est Dracons, le Pikachu de l'Internet. N'oubliez pas de me donner dans les commentaires ce que vous voulez que je fasse. Allez, à la prochaine, les amis.